Brûler, là. Oui, c'est ça. Mon frère Saint a quatre pieds,
vous autant, pis pas pour rire. On a 10 fleurs. Voilà tout. C'est vrai. Tu es le fils en scène. Moi-même, en personne. Bienvenue, mon neveu. Ben, merci. Au fait, quel est ton prénom? Manon! Vous avez toujours pas oublié mon prénom, là. Manon! Manon, c'est que j'ai un petit blanc de mémoire. Est-ce que tu veux que je te vienne en aide, papa? J'apprécierais. Oui, il s'appelle Alain. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça! Mais Alain n'est pas mon nom usuel. Tout le monde m'appelle Clac-Clac. Et j'aimerais que vous en fassiez autant. Clac-Clac? Quel drôle de nom! Toujours plus veilleux qu'Alain. Ah, lui est bon. Lui, les caboches. C'est mon pote. Ton pote? Ben, mon chum, si vous aimez mieux. Ton copain, tu veux dire? Ah, mon pote, mon chum, mon copain, il est tout ça. Hein, caboche? Ouais, ouais. Ben, puis tu dis, c'est toi, c'est bon? Il y a vraiment pas de lard dans son assiette, ton ami caboche. C'est son air normal. Il s'est endormi un peu après naissance. Je pense pas que c'est jamais réveillé. Vous savez la différence entre lui et un lavabo? Je ne vois pas très bien le rapport entre les deux. Mais c'est qu'un lavabo, voyez-vous, on finit toujours par le déboucher! Oh, pauvre jeune homme! Y a personne qui va vouloir le tuer parce qu'il a assez trop. Viens t'asseoir un peu, mon neveu. Non. Oh, viens t'asseoir! Ouais, non, pas tellement. Je suis pas jasant quand j'ai faim. T'as entendu ça, Joseph? Allez! Excuse-moi. Clac-clac! En fait! Attends un peu, on va te faire quelque chose. Joseph. Maudit, tu es intelligent. Ah! Oh. Ça va nous donner le temps de manger avant de partir. C'était le temps. J'ai pas mangé de la journée. Tu penses qu'à ça, toi, manger? Mais faut bien manger, faut vivre. Ouais, ben toi, tu viens pour manger. Ben, c'est pas de ma faute que j'ai toujours faim. Oh, arrête de parler, là. Laisse-moi réfléchir. Il s'appelle Léopold. Et la fille, Josette. Mais j'y pense. Quel est le nom de famille? La porte! Docteur Léopold L. On n'est pas rendu bien loin. Cherche avec moi, caboche. Oui. Il faut savoir comment nos protecteurs s'appellent. Qu'est-ce que tu fais là? On remet ça à sa place. On est pas ici pour ça. Je cherche plutôt à savoir comment il s'appelle. Mais c'est pour te rendre service que je fais ça.
Si je serais voilà pour toi, tu serais rien. Je te fais travailler au moins. Tu me fais travailler. Tu devrais me payer des thèmes au chômage. Des thèmes au chômage, je vais t'en faire des thèmes au chômage. T'es un cœur. Passe-le. Maudit cœur. Sniffer. Oh mon. Y'a Joseph. On s'en vient. On vous a préparé quelque chose. Et comme dessert, vous êtes servi. Tout ça pour vous? Ben pour nous, là. Oui, oui, allez-y, mangez. Faites comme si vous étiez chez vous. Ah, merci. T'es pas seul, enfin. Tiens, mon caboche. J'ai un cousin qui me semble quelque peu égoïste. Ben quoi? Tu le laisses manger? Il va tout manger, même le plateau. Ça se mange, non? Ah, mon fils. T'es assez grand, mon cousin, pour te servir tout seul. Tiens, caboche. À la vitesse que tu vas certainement t'étouffer. Wow! Vous avez vu ça? Vous l'avez dit. Vous pouvez tout avaler ce que vous pouvez servir. Vous avez les sorbir à manger. J'ai jamais connu mon père. Ben, c'est pour ça qu'il est parti. Vous pouvez pas se permettre de nourrir. Oh. Eh bien! Très bien, mon neveu. Oui. Maintenant que ton estomac a retrouvé le sourire, tu pourrais nous parler de ton père Arsène, mon père aimé, que je n'ai pas revu depuis la naissance de Joseph. Ah, ce cher Arsène! Vous voulez que je parle de lui, là? Mais bien sûr! Pour une fois que je peux savoir de ses nouvelles, je me suis toujours demandé comment elle supportait sa dernière intervention chirurgicale. Ah, sa dernière intervention, pour la supporter, il y a support pas pire, là, regarde. Et sa vue, elle reste toujours? Ben, pour ce qui est de sa vue, pas pire de ce côté-là non plus, là. Quoi? Pas pire? Ben, pas mieux, pis pas pire qu'avant. Et ses jambes? Ben, pour ce qui est de ses jambes aussi, là. Pis le reste aussi, là, ses intestins, son foie, son cœur, son cerveau, sa rate, pis sa prostate! Va pas pire comme tu dis, mais ton pas pire là, ça veut dire bien ou plus ou moins bien? Ça veut dire bien, je pense. Oh, je pense! Tu es resté sur scène ou pas? Mon nom, Léopold. Mon cher Dipol. Comment pouvez-vous n'en douter? N'avez-vous pas vu ce nez? N'est-il pas affreusement laid? Bien sûr que je suis le fils d'Arsène. Hein, Gabos? Ouais! Non! Je suis le fils d'Arsène! Arsène Lupin! Bon. Dis donc, papa, est-ce que je peux amener l'ami Caboche dans ma chambre pour écouter de la musique? Ouais! Yo, Joseph! On n'a même pas un étranger de sa chambre comme ça! L'ami Caboche est plus un étranger puisque c'est l'ami de mon très cher et bien-aimé cousin! Avec l'air qu'il a! Qu'est-ce qu'il a son air? Il a l'air! Stupide! Merci. Ma bien-séance me dit que de tout est autorisé. Ne vous en faites pas, mon nom. Quand un caboche court après une femme, c'est comme un chien qui court après un char. Il la drape pas. Je vais aller ouvrir. Pour l'instant, en plein travail. Et qu'est-ce que tu fais là, mon ami Caboche?
spécial. Il y a personne ici qui va te manger. Vous connaissez ma fille Josette, je pense? Nous avons eu le plaisir de nous rencontrer déjà. Oui. Ça me fait plaisir de vous revoir, Monsieur Dubois. Moi aussi, mademoiselle. Ah! Excusez, Monsieur Dubois. Vous ne connaissez pas Clinquin, mon neveu, le fils de mon frère Saint. Chef de police, vous autres? Bien sûr, jeune homme. Pourquoi? Ben, vous avez pas l'air d'un poulet. Excusez. Quoi? Ben, c'est que tous les policiers que je connais, ils sont costumés, une revolver à la ceinture, ils sont toujours prêts à jouer de la matraque. Mais moi, je suis pas costumé. Ah. Oh! Mais je suis quand même policier. Et lui, c'est Gaboche, l'ami de mon neveu. Bonjour Gaboche, ça me fait plaisir. Il a l'air bizarre ton ami. J'aime pas les policiers. Celui-ci est gentil. Il jappe, mais il mord pas. C'est que... Voyez-vous, Gaboche... Et un peu spécial. Je pense que je suis allergique aux policiers. Hein? Ouais, c'est ça. Il est malade, il est plein d'allergies. Et pauvre garçon? Ouais, il est allergique au bleu. Ça lui donne des bleus. Je suis aussi allergique aux heures de pointe. Ça me rend tout congestionné. Ça, je pense pas que ça soigne. Et à quoi encore est-il allergique? Ah, il est allergique à la bière! Ça lui fait péter de la boue! Hey, je suis aussi allergique aux rencontres d'un soir! Dernière fois, j'ai eu plein de boutons! Ça soigne, ça soigne! Puis je pense pas que ça soit de l'allergie! Continue à penser qu'il est vraiment bizarre! Que voulez-vous? Dieu aime les stupides. Ils en mettent tellement au monde. Désirez-vous prendre quelque chose, Monsieur Dubois? Melon, crêpe, bière, poisson gazeux ou tout simplement de l'eau minette? Je vous remercie pour votre courtoisie. Mais comme je vous avais dit, je suis actuellement en plein travail. Vous avez au moins le temps de vous asseoir un peu? Je préfère me rester debout. Merci. Docteur Langevin, avez-vous remarqué des individus louches dans les environs d'aujourd'hui? Non. Enfin, je pense pas. De toute façon, j'ai passé toute la journée à l'hôpital. Et vous, mademoiselle? Je suis bien sortie vers les 13h. Mais je n'ai vu personne. Pourquoi toutes ces questions, Monsieur Dubois? Un meurtre? Un vol? Un enlèvement? Mettez un peu d'intrigue dans cette maison. J'adore les feuilletons policiers. Cela n'a rien de fictif, mademoiselle Josette. Car il s'est passé des événements tout près de votre mur. Des événements qui arrivent très rarement dans notre petite ville. De quoi s'agit-il, Monsieur Dubois? C'est que des individus peu scrupuleux ont défoncé la vitrine de la bijouterie Belle Azur et se sont emparés de tout son contenu. Mais c'est la bijouterie du pauvre Monsieur Chicoine de l'autre côté de la rue, en face de notre maison! Exactement. Et ces individus peu scrupuleux! Ils courent toujours, mais rassurez-vous, on est sur leur trace. Ils sont même peut-être déjà arrêtés au moment où je vous parle. C'est pour ça toute cette cohue dans la rue lorsque je suis rentrée d'hôpital! Les autos de police et toute cette foule de curieux! C'est la première fois dans ma ville qu'un vol au
aussi audacieux que stupide et perpétré dans une façon aussi cavalière. Qu'est-ce que c'est, stupide? Parce que j'ai toujours su garder le calme et l'harmonie dans ma vie. Aucune malfaiteur n'a réussi à déjouer du bord. Ben, je vais vous dire, je suis là. Oh! Sherlock Holmes, des lieux. On dirait plutôt Colombo. Écoute-moi, personne, et je dis bien personne, n'a réussi à échapper à ma foudre. Je suis sans pitié. Je cause mes ennemis. Je les poursuis sans relâche jusqu'à temps que je les coince dans un cul-de-sac. Ça, c'est pourquoi le maire m'a nommé comme chef de police. Ça veut bien qu'avec moi, aucune malfaiteur, aussi rusé soit-il, ne peut me glisser entre mes doigts. Puis je renvoie ma main! Pensez qu'elle était faite avec autre. Vraiment, très brillant, l'ami Cabot. Je crois bien. À l'école, il a toujours eu ça. Lui? Impossible. Ben oui. 25 en français, 25 en maths, 25 en géo, puis 25 en sciences. Ça. Écoute-moi. En tous les cas, ça prend plus intelligent que lui pour commettre un vol comme celui qui m'intéresse. Hey, ça arrive pas souvent que je pense comme la police, là. Mais là, je suis d'accord avec vous autres. Écoutez-moi bien, vous autres! Vous êtes en train d'insinuer que l'ami Caboche serait un arriéré mental? Oui. Toi, mon cousin, Caboche est ton ami. Est-il traité comme un moins que rien? Et vous, M. Dubord, vous pensez qu'il serait pas capable de commettre un acte d'éclat? Ben, il aurait été capable de le faire. Il est assez intelligent. Mais non, son QI est pas assez élevé pour ça. Dis-leur, Caboche. Dis-leur que tu aurais pu faire le vol de cette bijouterie. Ben, je pense, Josette, que t'en veux, monsieur Dubois. Pas du tout, docteur. Elle est très distrayante. Vous voyez bien que tout le monde ici pense que Caboche est un moins que rien. Eh bien, ce n'est pas vrai. Dis-leur, Caboche! Dis-leur que tu aurais pu voler la bijouterie de l'azur! Qui vous? Ridicule! Ouais! Un riz! Un dit! Puis un cul! Ridicule! Ridicule? Et si c'était lui qui avait commis ce vol? Ça vous emboucherait tout un coin, hein? C'est ça! Caboche tout organisé. Il est le cœur d'une bande internationale de malfaiteurs. Il organise des vols un peu partout et se promène toujours avec son revolver. Le cerveau! T'es un chef de bande! J'ai pas de revolver, moi! T'as pas de cerveau non plus! Bonjour, Léopold. Mon chirurgien préféré.
en trouve tout à l'heure. Vous le saurez si vous m'avez laissé le temps de vous dire. Dubon, chef de police municipale. Chef de police municipale? C'est pour ça que vous ne portez pas d'uniforme. J'aurais dû m'en douter. Vous avez le physique pour l'emploi. Que savez-vous sur ce vol de la bijouterie? Écoute-la bien. Elle va se mettre à jouer au détective. Laissez-moi. Monsieur le chef de police municipale, vous mettez sur la piste de ces deux voleurs. Comment savez-vous été deux? Simple déduction. Ça en prend bien deux. Un pour tenir un sac et l'autre pour remplir. Qu'est-ce que je te disais? Avez-vous fait son quartier? Bien sûr! Et foi de Dubon! Ils n'iront pas loin. Certainement qu'ils n'iront pas loin. Les voleurs reviennent toujours sur leur lieu du crime. Faut l'arrêter là, elle n'en finira plus. Je te teste cette femme! Ben pourquoi l'endurez-vous alors? Sa fille est la meilleure amie de Josette! Et de plus, elle est mon comptable! Donc ils étaient deux. L'un faisait le guet pendant que l'autre éclatait la vitrine. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je peux vous certifier que les voleurs ne sont pas loin. Comment pouvez-vous en être si sûr? Fin continue. Ben, moi, je pense que les voleurs sont bien loin. Ils ont une plante quelque part dans les parages, sous une galerie, dans le fond d'une ruelle, dans une maison désaffectée, ou peut-être même à deux pas du poste de police. Ou encore, ils sont bien peinards dans une maison comme celle-ci, en train de se préparer à commettre un nouveau crime. Je commence à la détester moi aussi. Si seulement cette entêtée de chicoine avait suivi mes conseils, je lui ai suggéré plusieurs fois de se faire installer un système anti-vol. Ce vieil avant trouvait que ça coûtait bien trop cher. Avant, vous dites, ce vieux pingre a toujours trouvé Séraphin gaspilleur. Il vend trois fois plus cher qu'ailleurs et je l'ai toujours dit, il vend que de la camelote. C'est du top, Joe! Excusez-la, monsieur Dubord. Les enfants de nos jours ne respectent plus rien, ni personne. N'empêche que ces petits truands. Tu veux bien toi-même, toi, attends, tu veux écouter? On commis un délit impardonnable. Aucune condamnation sera trop douce pour ces forbans, ces pirates, ces malotrus. J'ai mal à rien, moi. Il faut les emprisonner sans ménagement pour ce grossier acte de piraterie. C'est le moment d'agir. Dites donc, madame, je sais tout. À quoi, d'après vous, ressembleraient ces voleurs? Ces deux voleurs que je devrais dire, que vous prétendez qu'ils sont deux? À des amateurs. Bien tout tourne, ma bonne femme. Les amateurs, peut-être, mais les amateurs très rusés. Ils ont commis leur délit dans un temps record. Ils ont pris la fuite sans que personne les voie. Sauf une passant qui a vu un tournant le cou. La figure masquée d'un cagoule, il n'a pas prêté attention, croyant que c'était juste des enfants qui s'amusaient dans le cou. C'est le seul indice que nous ayons. Ouais, moi, je continue à dire qu'ils sont encore de l'épargne en attendant que l'orage se calme. Ne trouvez-vous pas, M. Dubord, qu'il y a quelque chose de louche chez cette femme? À part de sa volubilité, non, je crois pas. Eh bien, moi, je trouve qu'elle en sait un peu trop sur ce vol. Comment il a été commis. Elle insiste qu'ils ne sont pas loin. Si j'étais vous, j'ouvrirais l'œil et le bon, et je fouillerais cette femme.
Tu crois? J'en suis convaincu. Mon sixième sens me dit qu'elle a quelque chose à voir avec ce vol. Et si tu te trompais? Elle ne vous en voudrait sûrement pas. Vous ne faites que votre travail, après tout, et si j'avais raison, vous seriez sûrement généreusement décoré par M. le maire. Bon, est-ce que plus personne s'intéresse à moi? Je rentre. Attendez, ne portez pas de sujet. Ne puis-je passer mes conseils? Ce n'est pas de vos conseils dont j'ai besoin. Je veux tout simplement me rassurer. Comment faites-vous pour savoir autant sur ce vol de la vérité? Voyez-vous, monsieur le chef de police municipale, j'ai toujours eu du flair pour ce genre de situation. Je vis les événements comme si j'y étais. Comme si vous y étiez? Comme si j'y étais. Mais, monsieur Dubois, vous n'allez tout de même pas prétendre que... Je prétends rien, moi. Tout le monde est suspect. Faites-lui vider ses poches. Vous en aurez le cœur net. Madame, je sais tout. Excusez, Madame Julie. N'y voyons-le que l'exécution de mon travail. Mais aurez-vous l'amabilité de vider votre sacoche? Je me refuse à une pareille insulte! Ce refus confirme ma conviction. Vous videz votre sacoche immédiatement ou vous venez le faire au poste de police. Ce qu'il a l'air sérieux, ce chef! De mon cœur! Allez, Juliette! Ne fais pas ta manière! Prouvez-lui qu'il a tort! Il a tort, c'est un fait! Mais de là à m'humilier de la sorte! Oh, allez là, finissons-en! Bon, d'accord. Tant pis pour vous. Voilà, douillet. Reculez maintenant. Ouais. Avez-vous l'habitude de traîner vos bijoux avec vous? Non, je ne porte que des perles. Est-ce que ce bijou ne provient pas de la bijouterie Bellagio, par exemple? Je ne sais pas. Il doit bien provenir de quelque part. Si. Et celle-ci? Puisque je vous dis que je n'ai aucune idée de la provenance de ces bijoux. L'étiquette est encore après. Wow! 500 $! Vous n'y allez pas de main morte. Je dois les amener au poste. Messieurs, madame, je vous reviens. Évidemment, tout le monde ici croit innocent. Ouais, mais ne plus à plaindre pour cette pauvre enquêteur qui piétine depuis le début de l'enquête. Je crois que ils ont besoin d'un peu d'aide. Et vous vous proposez de leur venir en aide? En effet, ils en ont vraiment besoin. Ça y est, elle remet ça. Avant d'entrer ici, je suis passée par la bijouterie. Bien que celle-ci soit barricadée et surveillée par les policiers, j'ai pu me rendre compte que les voleurs se seraient servis d'une brique pour faire voler la vitrine en éclats. Et comment pouvez-vous en être si sûre? J'en ai la preuve. Regardez ce que j'ai réussi à subtiliser aux yeux des gardiens de la bijouterie. Vous voyez cette brique? C'est celle-là, la même qui a servi aux voleurs. Vous en êtes bien sûr? Rendez-vous en compte par vous-même. Vous voyez? On peut distinguer partout sur la brique des fragments de verre brisé. En effet, c'est extraordinaire tout de même que vous ayez pu mettre la main sur cette brique. Ça m'a tout l'air qu'une brique comme les autres. Ah oui, c'est toi qui t'avais dit de la cacher. Savez-vous que c'est un délit grave de soustraire à la police une preuve comme celle-là? C'est vrai, ça! Cette brique constitue une pièce à conviction! J'ai la rente,
c'est bonne Juliette. C'est une germaine. C'est elle qui gère, c'est elle qui merde. Et comment pensez-vous réussir là où les policiers ont échoué? Jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un objet quelconque, docteur. Il va me servir à faire la reconstitution du vol et peut-être même me mettre sur la piste de ces maladroits. Pas si maladroits que ça. Ils sont trop intelligents pour se faire baisser. Ils sont encore au large, après tout. Mais c'est parce qu'ils ont oublié une chose super importante. C'est qu'ils ne pensaient pas me trouver sur leur chemin. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein? Ils crèveront pas d'une crise d'humilité, celle-là. C'est certain. Et comment pensez-vous réussir là où les policiers ont échoué jusqu'à maintenant? Surtout que les vrais voleurs sont sûrement rendus bien loin. C'est ce que tout le monde pense, même la police le pense. Et ce Dubord, qui est chef de police municipale, seulement parce qu'Ami Glamère n'essaie plus de la tête. Il est en quête de la moindre indice, ne sait même pas par où commencer son enquête. Et vous le savez, naturellement. Bien sûr. Vous devriez être engagé par le FBI. Comme chef histoire. Priez toujours. Je vais vous faire la preuve de ce que j'avance. Je n'ai pas envie d'encore gaspiller 500 $ de bijoux chez cette femme. Et comment comptez-vous le prouver? En faisant la reconstitution du vol, voilà tout. Elle est folle. Je ne voudrais pas cette femme. Disons, docteur, que la vitrine est derrière. Toi. Et vous allez casser la vitrine, je présume. C'est en plein ça, là. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Personne. Je ne fais pas de bruit. N'oubliez pas, je ne suis pas Juliette. Je suis l'un des voleurs. La vitrine vient de se casser. Ben, ça marche pas, votre affaire. Ben, pourquoi? Ben, recommencez-moi votre entrée, là. Recommencez. OK, fait qu'un voleur, donc. Non, mais pas votre entrée, là. Votre entrée, là. Un voleur. Ça a l'air méchant. Ça a l'air fort! Oui! Ça a l'air téméraire! Après ça, il dit, c'est moi le fou. Oh, excusez-moi, là. Ça vous prend des cagoules? Ça prend des cagoules pour être vrai. Ça va avoir la poubelle. Le temps, il y a toujours des cagoules avec lui? Oui. On est amateur de ski alpin. On en a eu deux pour une. Peut-être mettre celle-là. Vraiment? Je vais tout de même pas enfiler ça. Soyez une bonne joueuse et allez jusqu'au bout. Si vous voulez ressembler d'une vraie voleuse. Reprenez-moi votre air de scélérat! Et allez me casser cette fichue vitrine! J'y vais! Allez-y! Josette, j'arrive.
porte. Au moins, on serait tranquille. J'aimerais vous dire quelque chose, Miss Dubord. Ah, mon oncle! Mon oncle, et moi, t'es Monsieur Dubord. On va gérer ça entre adultes. Oui, OK. Allez, rangez. C'est une chance que je passais par là. Ah, oui! Oui, j'y suis pas. Hé, pauvre garçon, il a l'air de se retourner. Ah, c'est insensible. Je vais apporter cette brique au labo. Je savais que cette crapule n'était pas bien loin. Merci, Josette, pour votre intervention. Oui, elle était si brave. Moi et Caboche, on était figés. On avait tellement peur. On ne pouvait pas bouger. Mais elle, elle n'a pas hésité un seul instant pour mettre sa vie en danger pour sauver la nôtre. Je compte une histoire. Elle mérite une médaille de bravoure. T'en es un peu trop, là. Non! Non! Tu mérites une médaille de bravoure. Regarde, regarde. J'en parlerai au maire. Anna, j'amène cet petit oiseau-là au poste. J'ai hâte d'avoir cette affaire classée. Allez, on va aller faire un petit balade. Merci. Fait plaisir. Je vois pas ce qui est drôle. Pauvre Juliette! Tu l'as reconnu? Tout de suite, en entrant, j'ai pas hésité un instant. J'ai été chercher le balai. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lui taper dessus. Dommage qu'il n'était copié de petits coups. Oui, dommage. La mégère. Hé! Mégère! Tu parles. Elle s'est déjà fait mordre par un serpent. Le serpent, il est mort. De toute façon, c'est qu'un petit voyage en fourgon, c'est là que va faire. Comme elle est innocente, elle va être très vite relâchée. Et comment peux-tu savoir ça? Elle n'a rien à voir avec cette histoire, puisque... C'est vous deux qui avez commis ce vol. Et comment peux-tu en être sûr? Je t'ai vu mettre des bijoux dans la sacoche à Juliette. Hey, pour la discrétion, top pour oh! Donc, j'imagine que t'es pas le fils de mon oncle Arcel. Ben oui! Ben oui, là! Comment tu te sœurs? De sœurs, j'en ai... Quatre! J'en ai quatre! Et comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié, là! Ton oubli est un aveu! Y'a pas à dire, comme cerveau, comme Dieu! Touche-moi pas! Maintenant que tu sais tout, que comptes-tu faire maintenant? Rien. Rien? Ben oui, rien. Je me suis jamais autant amusée dans cette maison. Alors que le vent continue à souffler, bon vent, mauvais vent, j'irai rien. Dorénavant, vous allez avoir une spectatrice assidue. J'ai vraiment hâte de voir comment vous allez vous en sortir. Dis-moi, Josette, comment on fait pour sortir un comptable des mains de la police? Je sais pas. Oh, ben, gadon. Est-ce que tout le monde est parti? Ah, allez, sans main! J'espère vraiment que cette expérience aura servi à Juliette. Si elle parle moins et apprenait à se mêler de ces choses un peu plus, elle court après son malheur. Vous n'avez pas eu trop de misère à expliquer à M. Dubord le pourquoi du déguisement? Non, c'est un homme qui comprend vite. Zou! Tant mieux! S'il avait fallu qu'elle se remonte au poste de police... Vous perdez votre comptable! Merci d'avoir redressé la situation. Mais... cette Juliette aurait bien mérité d'y aller. Ça aurait été drôle de la voir aller au poste de police. C'est méchant, mais je pense comme toi. La sonnette est brisée, peut-être? Non, je ne sais pas. Je m'excuse.
Je sens que ça va se corser. Je croyais pas le voir rebondir de si tôt. Et monsieur Dubois, où en êtes-vous rendu avec votre enquête? Et mon enquête? Mon enquête, ça vient juste de prendre une toute autre tournure. Monsieur le maire, il faut suivre. Et mes billes, bref, ils maillissent. Ça, c'est le syndrome du bledin. Pourquoi ce revirement de situation si soudain? Parce que j'ai apporté un suspect au poste. Il devrait plutôt vous féliciter, non? C'est qu'on avait déjà une cinquantaine de suspects. Ça n'a aucun sens, ce que vous dites. Ah, la vie est belle. Je sais que ça l'air, cela peut vous paraître bizarre, mais c'est la stricte vérité. Bizarre en effet. Et qu'est-il arrivé de votre dernière suspecte? Elle veut absolument signer ses aveux, elle aussi. Ben, faites-la signer avant qu'elle change d'avis. Je peux pas. La poursuite était abandonnée par le ministre public. Abandonnée? Abandonnée. Allez-vous enfin nous dire qu'est-ce qui se passe, monsieur Dubois? Ben, ce qui se passe, c'est que les voleurs sont encore recherchés, pas pour les écrouer, mais pour leur donner une récompense sous forme de bourse. Essayez donc de suivre un gars pareil. C'est même pas ce qu'il dit. Les collègues viennent de mettre à jour un réseau international de fraudeurs. Ils fabriquent des faux bijoux et les vendent au prix des vrais. Après examen, les bijoux retrouvés dans les poches de Juliette, ça vend tout faux. Il va être guère plus de 2 ou 3 $. Avec la chance que j'ai, m'attendant à quelque chose, n'est pas ça. Écoute-moi bien. Les journalistes se sont emparés de l'affaire et ont fait des héros de nos voleurs. L'association de diamantaires offre une récompense de plusieurs milliers de dollars à celui ou ceux qui sont capables de prouver qu'ils ont commis ce vol en nous présentant les faux bijoux volés. Et tout le monde est maintenant coupable depuis l'annonce de la récompense. C'est pas un canular, vous êtes sûr de ça? Et c'est monsieur le maire lui-même qui vient me mettre au parfum. Qu'est-ce que je vous avais dit à propos de ce chicoine? J'avais flairé les potions, mais personne n'a voulu m'écouter. Au fait, qu'est-il devenu? Disparu! 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 Vous me faites rire, monsieur Dubois. Voulez-vous le trouver? Rien me ferait plus plaisir. Ça calmerait le maire ici. Oh, c'est conseillé! Quand j'étais plus petite, hein, j'allais souvent jouer à côté de la bijouterie. Il avait une tête minuscule et j'ai souvent vu monsieur Chicoine, ce sale voleur, entrer et sortir de par la bibliothèque qui se trouve derrière le comptoir de vente. Hé! Nom d'un chien! Ça ne peut pas mieux dire! Puisque la boutique est barricadée et gardée par des policiers en faction et que l'arrière-boutique est bloquée par un mur d'au moins 4 mètres de haut, j'imagine qu'il est encore là puisqu'on l'a vu disparaître par en arrière. Ça, par exemple, si ce que vous dites est vrai, vous l'aurez, votre médaille de bravo. De ce point, je veux cuire, ramasser ce que vous dites à cet oiseau de malheur. Et si vous entendez parler des voleurs, vous me contactez! On n'y manquera pas! Soyez assurés! Non, mais qu'est-ce qu'il y a des gens malhonnêtes dans la vie, hein? À quelle époque vivons-nous? Ce sont les volés qui sont les voleurs! Et les voleurs deviennent des héros? Ben, des héros peut-être, mais avec un compte en banque qui reste à 0. C'est bon. Moi, je vais dehors! Il y a déjà une foule de curieux qui commencent à se rassembler devant la bijouterie. Je vais être proche des événements. Tu nous tiendras au courant. J'ai jamais vu personne avoir l'air autant piteux que vous deux. Et toi, non?
Il y a à peine 10 minutes, j'en avais pour 10 000 des poches. Puis là, j'en ai à peine assez pour m'acheter un Dixie-Lee. Ben, si t'en veux pas de Dixie-Lee, moi, le prends-moi. OK, ben là, on fait quoi? C'est toi le cerveau, pense à de quoi. Puis vite! Ben, on est cassé comme des clous. Va falloir on mettre ça ailleurs. Vous êtes là à vous plaindre, alors que la chance vous aurait. Je veux pas entendre parler de chance, merci. Chanceux, c'est effrayant comme qu'on est chanceux. Bien sûr que vous êtes chanceux. Et la récompense, vous l'oubliez. Vous allez être payé pour votre malhonnêteté et vous risquez même pas la prison. Si c'est pas de la chance, ça. Ben, la récompense, si seulement je pouvais aller rechercher, je peux pas me pointer là-bas. Et pourquoi? Ben, c'est au poste de police. Ils auront vite fait de me lier à d'autres délits. Je te propose un marché. Tu me donnes tous les bijoux. Caboche et moi, on va aller chercher la récompense. Et pourquoi ferais-tu ça? On sépare la récompense en trois, par regard. Ouais, ça me semble honnête. Mais attention, s'il arrive quoi que ce soit, je veux pas être mêlé à ça. Alors, tu me les donnes, ces bijoux de pacotille. Je suis pas encore sûr que c'est la bonne solution. Hein? Mais t'as pas le choix. Allez, viens, caboche. Non, je veux pas aller là-bas. J'ai peur de pas venir. Maudit chicoine. Voleur. Pirate. Abuseur de voleurs honnêtes, bon! Josette avait raison! Monsieur Dupont vient cueillir ce chicoine de malade dans sa plante! Oh. Rappelez-vous que Josette avait flairé depuis longtemps l'imposture de ce monsieur chicoine. Quand j'y pense, s'il avait su, il aurait pu lui faire un mauvais parti! Qu'est-ce si fragile! Ouais, pas si fragile que ça, hein? A du caractère, votre Juliette! Attendez-moi des émotions fortes dans les prochaines secondes. Juliette? Josette! Où étais-tu? Au poste de police. C'est bien ce que je craignais. Et pour y faire quoi? Pour aller chercher la récompense. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas possible! Dis-moi que je rêve! Arrête de me regarder comme si j'étais un animal rare, là! J'ai rendu un immense service à la société. Je suis devenue le héros de cette ville et j'ai même été récompensée pour mon acte. Combien, Josette? 10 000! Tu veux dire qu'on t'a donné 10 000 $ pour avoir démasqué Chicoine? Exactement, mais je dois séparer en trois par égal. Nom d'un petit bonhomme! J'aurais dû m'en douter! Un neveu qu'on ne connaît pas, qui vient nous visiter tout à coup! Vous êtes bien moqué de moi! Est-ce qu'Arsène est au courant? Mon oncle Arsène n'a rien à voir là-dedans, puisque Clinclin n'est pas son fils. Quoi? Ben oui, là. Je te présente mes deux complices. Deux jeunes hommes courageux qui ont accepté de me venir en aide. N'ayant pas de travail, je les ai embauchés. Vous êtes des petits futés, vous deux! Y'a pas à dire! Oh! On peut être qui on veut! Quand ça paye! Pis quand y'a de la bouffe! Et pour te prouver que mes deux acolytes sont deux hommes très fiables et très honnêtes, j'ai conclu un marché avec M. Dubord. Un accord pour qu'il leur donne de l'emploi. Non. Moi, m'en va chez nous. Sors d'ici, j'ai toi dans le jet et je te fais arrêter. Oui, je travaille à mon compte. Ah! M. Dubord, c'est une journée remplie d'événements. Des événements très heureux. Le démantèlement d'un réseau de fabricants, l'arrestation de son chef et deux nouveaux employés pour la ville. Pas sûr de ça, moi.
pour tout ça. C'est Josette qui mérite tous les honneurs. Oh non, je t'ai plus. La cour est pleine. Mais faut pas oublier mes deux amis, là. Clin-clin et Caboche, qui ont fait un travail formidable. Revenez ici, vous deux. Je n'aime pas voir trop près de la porte. Ah! On voulait juste vous donner plus d'air. Moi, j'aimerais ça faire de l'air aussi. Moins d'eau. Vous deux, vous venez avec moi. Là, comme ça, là. Là? Oui. Ça presse pas, là. On ira pour joindre demain, hein? Bonne idée, Caboche. Comme ça, on va pouvoir rester ensemble plus longtemps. En fait, on te suit. Ah, mais... Vous aurez chacune votre chambre en haut du poste de police. Oh, ouais. Mais... Vous viendrez nous visiter de temps en temps. Testament, ma chance se poursuit, hein? M'attends à faire, ma chance! Ah!